Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui. Solstice. 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 Salut. Eh bien bonjour. Vous avez vu, je suis pile poil à l'heure les gars, à la seconde près. Hein. Oui, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Salutations, bon gros de chaton. Salut à vous, salut à vous. Commençons direct. Perdons pas de temps. Bon, est-ce qu'on a encore mémoire? Depuis hier, ça devrait aller. Le jeu qui rend fou. Le jeu qui rend fou. Donc, récapitulons. Hier, nous sommes parvenus à avoir 5 morceaux du sceptre d'Autocar sur les 6 dont nous avons besoin pour terminer cette atrocité démoniaque purulente. Je suis pas sûr de devoir revenir par là, mais je me rappelle plus ce qu'on fait d'habitude. Loul. Je devais pas venir par là. Hein. Ah bah si, c'est bon, si ça passe. C'est bon. Ça passe quand même. Donc, il ne nous manque plus qu'un seul morceau de la canne. Le problème étant qu'on ne sait pas où il se trouve et surtout qu'on était Keblo. On était bloqué dans une partie du donjon où on ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Donc, c'était un petit peu étrange. On va estimer que l'une des clés que j'avais servait en fait... Parfait. L'une des clés devait servir... Excellent. Yes. L'une des clés devait servir, je pense, doublement. Parce que c'est la seule explication que je vois. Ou alors c'est une pièce entière qu'on n'a pas vue. Mais là, à moins que ce soit une pièce complètement cachée, tu vois. Je ne vois pas. Donc on va estimer que c'est ça. Et si jamais c'est pas ça, ben là, je devrais, je pense, me remettre au bon gros de chaton parce que... Ben parce que je ne sais pas. Voilà. Parce que je ne sais pas, les gars, si c'est une pièce complètement cachée, ou qu'on peut pas vraiment voir où elle se trouve et tout, forcément, ça va être compliqué. Du coup, on va tout faire dans l'ordre. Ouais. On va faire dans l'ordre que l'on connaît. Donc, on va commencer par la grotte. Ça me semble pas mal. On va commencer par les souterrains. L'intérêt des souterrains, c'est de grappiller des vies. Il y a 4 vies qui nous attendent, ce qui est quand même pas mal.
Parce que bon, vu le système de checkpoint de ce jeu satanique, clairement, une fois que t'as perdu toutes tes vies, c'est quand même très compliqué de revenir à un checkpoint. Sauf quand t'es dans un checkpoint avancé. Mais les checkpoints du début du jeu, en fait, servent pas à grand chose. C'est un petit peu problématique. Donc vaut presque mieux en fait les garder pour la suite. Enfin, je me comprends. Voilà. On va se concentrer et tout ira bien. Et surtout, on va bien ouvrir l'œil pour voir s'il y a une salle qu'on n'aurait pas vue quelque part. C'est surtout ça, les gars. On va ouvrir l'œil. Et le bon, j'ai failli mourir. Ok. Donc là... je crois que là, c'est les tapis. Hein. Là, c'est les tapis, ok. Donc, on a besoin de... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les trucs anti. Bon, on va prendre l'invincibilité. Quoique non. Non, il vaut mieux prendre, je pense, ceci. Voilà, sauf que là, il va falloir vraiment y aller au bon moment. Non, vous savez quoi, j'ai pas confiance en ce truc-là. Je prends l'invincibilité. J'ai pas confiance en cette boule-là. Donc prenons l'invincibilité. Par contre, il faudra juste réussir à récupérer une fiole. Une fiole bleue pour se régénérer l'invulnérabilité. Ça, c'est important. Attends, comment ça marche, ça, déjà? Le clochard de balle! Bloodborne sort en BD en juillet, tu savais? Non, le clochard, je ne savais pas. Donc, ouais, je fais ça, je saute, boum. Putain! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, une vie en moins pour rien! Une vie pour rien sans comprendre, hein. Pourtant, je l'ai bien posé. J'ai pas été assez rapide. Une vie en moins. 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 C'est pas grave. On va se remettre. Ton 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 ton. Donc on chope la potion jaune, on est full popo jaune, on est bon. Alors attention ici, c'est complètement démoniaque. On passe là, non ! C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ok. Donc on se retrouve dans les souterrains infernaux. À partir de là, on a plusieurs choses à faire. Hein. Y a quoi? Y a une vie. Y a une vie. Y a le sceptre. Y a une potion bleue. Je crois même qu'il y a une potion jaune. Non, pas jaune. Je sais plus. Peut-être rouge. Bref, en tout cas c'est parti pour les souterrains infernaux et autant dire ça va être compliqué les gars, long et dur, ok, donc ça c'est la sortie, on saura qu'ici c'est la sortie, c'est parfait, ça sera long et dur, ah ben nickel, alors voilà la potion bleue, on la prend, sera long et dur, très long et très dur. Ah bah c'est nickel, voilà la vie. En fait c'est pas si labyrinthique que ça cet endroit, heureusement. On dirait que c'est très labyrinthique, mais en réalité, quand tu suis un petit peu le mouvement, ça se passe à peu près bien. Heureusement qu'il n'y a pas un gros chargement entre chaque salle, hein, sinon tu deviendrais vraiment fou. Avant l'heure les gars. Et voilà le morceau du sceptre. Voilà les gars. Donc là on est parfait du coup. On va essayer de remonter. Le téléportant ne sert à rien. Faut retrouver l'endroit où il y avait la clé maintenant. Je pense que c'était pas du tout par là. Non, c'était pas par là du tout.
Ok, on a le crédit, sauf que là, ça nous sert à rien. C'est même pas la peine de le prendre. Ce serait une perte de... Ouais, ça sert à rien. Laisse tomber. Je suis perdu. Je suis perdu. Non, c'est bon. Ok, parfait, les gars. On embarque la clé qui nous est évidemment nécessaire pour la suite des hostilités. On fait pas n'importe quoi. Ça va bien se passer. Hein. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bien se passer. Ok. On est bon. Ah oui, alors là, attention. Alors l'endroit où aller, je crois que c'était en hauteur. Hein. C'est ça, voilà. Je passe les vilains scale. On est bon. Je devais venir ici, je pense. Heureusement, j'ai une bonne mémoire. Hein. Loul. J'ai une bonne mémoire à court terme, je dirais. Mais pas à long terme, malheureusement. J'étais à deux doigts de me faire niquer. Ok, donc là... Oh, attention! 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 C'est bon! C'est bon! Calmons-nous! On est bon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, la vie. Ouais. À chaque fois que je me plante, c'est jamais de ce côté-là. C'est ici. Alors attends. Là par contre... Non, c'est pas en bas. En bas... en bas, c'est pour revenir. En bas, c'est pour revenir. Ok. Alors là, est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Bon, j'ai les deux popos full. Je pense que je peux me permettre d'utiliser quelque chose. Même si en fait, là, je pense que je peux y arriver. Sans potion. Yes! Parfait. Parfait. Alors là, non, c'est pas par là. Oui, alors attention, à chaque fois je meurs ici. Putain, évidemment, à chaque fois, de toute façon, c'est de la merde. Cherchez pas, les gars. C'est bon. Une seule mort. Ok, restons calmes. Les crédits, c'est pas vraiment la peine à ce stade-là. Laisse tomber. Cette salle ne sert à rien. C'est bon. Oui. Alors là, attention, il y a un truc qui va se barrer. Je crois que je dois aller là. Je sais plus. Il y a quoi déjà en bas? Est-ce que je dois aller là? Merde! Je me rappelle plus. Est-ce que je dois aller là? Je crois pas. Hein. Il me semble pas. Je crois que là, c'est un cul-de-sac ou c'est juste pour nous filer une potion. Il me semble que venir ici ne sert à rien. Donc on va plutôt aller en hauteur. Là, on prend pas de risque. En même temps, je pourrais le tuer, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux le tuer? Ouais, il vaut mieux le tuer. C'est mieux. Ok. On saute parce qu'il y a un courant d'air. Voilà. Il me semble pas que ce soit là. Pareil, il me semble que là, c'est une impasse. Venir ici ne servira à rien. On va là. Ah oui. Je crois que là, il y avait que dalle. Hein. Il me semble qu'il n'y a rien par là. Non, merde! Putain, je meurs pour rien! Pourquoi je suis venu là? Oh, mais non, mais non, mais non! Mais non, mais non, mais non. Ça sert à quoi ce truc-là? Ce truc-là ne sert à rien. Ah d'accord, il y avait une vie là-dedans! Ah ouais, ok. Ah d'accord! Quel con! Tout va bien. Je sais ce que je fais. Donc je vais venir ici. Qu'il est con, qu'il est con, qu'il est con. J'ai perdu deux vies pour rien, les gars. Deux vies pour rien. Bravo. Bravo, bravo. Là. Bon, là, c'est infaisable sans l'invincibilité, clairement. Infaisable. Infaisable. En bas, je crois que c'est pour la sortie. Ouais. Je pense que c'est par là. J'ai un doute. Non, si, c'est bon, c'est par là.
On reste calme surtout. On reste calme. Hein. Bien se passer. Voilà. Pas se planter. Hein. Attention, pas se faire niquer, faut vraiment aller, faut sauter très loin là. C'est bon. C'est pas par là. Puisque c'est par là. Voilà, ok. Là, faut sauter. La clé très important, on l'embarque. Excellent. Yes, parfait. Voilà, donc là, oui, il faut utiliser. Ah oui, j'aurais dû passer de l'autre côté. À chaque fois, je fais niquer. Oui, c'est ça. Mais tant pis, c'est pas grave. On va utiliser l'item crédit. Pour passer là. Prendre le morceau. Alors, c'est sans doute mieux de faire l'inverse, mais c'est pas grave. Ah oui. Bon, j'ai trop obligé de prendre le téléporteur, il me semble. C'est ça. Par contre, là, il y a une potion... c'est une potion quoi? Ah, mais c'est parfait. Ah oui, donc c'est nickel. Oui, donc c'est très intéressant. Parce que là, on nous file une potion pourpre. Et c'est pile poil celle que j'avais le moins. Donc en fait, là, on est parfait, les gars. On est parfait, en réalité. La trajectoire me semble être parfaite. On se TP pour revenir. Voilà, on arrive ici. Ah, là, je sais plus où je dois aller, par contre. Est-ce que c'est en bas ou est-ce que c'est en haut? Ah. Et je suis perdu. Peut-être en bas là. Oui! Parfait, parfait, parfait. Alors là, on a un crédit. Est-ce que je le prends? On a trois morceaux du sceptre. On est pas mal. Je pourrais le prendre. Je pourrais le prendre, en plus je vois où je suis, donc... Mais d'un autre côté, je me dis je peux le prendre en revenant. Parce que dans tous les cas, il faudra revenir ici, donc il vaut mieux en fait attendre, oui. Donc je vais attendre, je crois juste que je mémorise l'emplacement de ce crédit ici. Et là... Là je vais revenir, je crois. C'est ça. Il y a une vie derrière. Je crois que c'est là où il y a une vie. On pourrait en profiter. On pourrait en profiter si je meurs pas, évidemment. Voilà. Ben voilà. Ouais, non, j'aurais jamais dû faire ça. Ok. Eh ben, ça me servira de leçon. Loul. Ça me servira de leçon. Plus que cette vie. Ça me servira de leçon. Très bien. C'est pas grave. Ne jamais faire ça. Loul. Ok, donc ça, je crois que c'est l'étage où il y a une potion. Oui, c'est là où il y a une potion bleue. Mais on est quasiment full, donc c'est pas la peine de la choper. Ouais, on va pas la choper. Faudrait que j'utilise ceci. Ah oui, mais ça, c'est là où c'est chaud. Ah, mais je peux utiliser ça. Peut-être ça, en fait. Ah oui, ça pète aussi les boules. Voilà, eh oui. Et donc, c'est encore mieux de faire ça, en réalité. Oui, donc là, si je me rappelle bien, il y a un morceau du sceptre là. C'est ça, voilà. Voilà, on va essayer d'écomiller tout ça, un par un. On va faire ça. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ok, ça passe. Quelle erreur. Ah oui. Attention à cette salle. On peut passer sans les niquer, mais...
Si jamais je suis dans la mouise, je les tue tous. Non, ou alors là, plutôt ça, non? Pour les mobiliser. Oh, c'est pareil, en fait. Je vais essayer de passer. Pas mourir, surtout. Hein. Ok. J'avais pas le choix. Tant pis. Là, c'est pareil. C'est soit... En fait, il vaut mieux l'invincibilité, puisque comme ça, quand je reviendrai, je sais que j'aurai une popo bleue. Donc il vaut mieux faire ça. Ouais. Comme ça, on prendra la popo bleue de l'autre côté. Ok. Alors là, le problème, c'est qu'à chaque fois, je me fais niquer. Je me fais niquer, en fait, quand je reviens. Je perds toujours une vie, ici. Ce passage est complexe. Attendez deux secondes, j'ai reçu un message. Deux secondes, les gars. Deux secondes. Attendez, il faut que j'envoie un message. Deux secondes. Ah, l'enfer. Hein. Désolé, je reviens dans deux minutes.
On est back. Tout va bien. Désolé. Comme vous le voyez, je suis un ours très pris. Très pris. Bon. Où en étions-nous ? Oui. Réussir à passer cet endroit de la mort. Alors voyons. Sans mourir. Ce qui n'est pas une mince affaire. Oh non. Oh non. J'aurais dû y aller. Parce qu'en plus, quand il va revenir, il va se cogner. Il va se cogner là. Et du coup, ça tombe. Ah, je peux quand même le reprendre, d'accord. Je peux le reprendre, ok. Ça va bien se passer, hein. Trop tôt, hein. Trop tôt. Pourtant hier je galérais pas trop ici. J'y arrivais correctement, mais là c'est la galère. Hein. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste, je pense qu'on peut... Le mieux, à mon avis, c'est de bourrer la potion. Bourrer la potion bleue. Ouais. Après, j'ai une seule chance d'y arriver. Putain, mais je tombe sur lui, quoi ! Allez, c'est pas grave. Une vie perdue. Ici, c'est quand même très très compliqué, je trouve. Donc là... On va encore faire la popo bleue. Ouais. Ce qui me permet d'aller là. On va essayer de passer cet endroit sans mourir. C'est peut-être faisable hein, si on est bon. Bon, au pire on fait ça. Ça va être dur. Ça va être dur, les gars. L'autre con qui reste là-bas, putain. Tout va bien les gars, ça va bien se passer, hein, bien se passer. Faut pas s'inquiéter surtout. Faut pas s'inquiéter les gars. Est-ce que je peux les attirer ou pas du tout là? Allez, venez bande de cons là, putain. On va y passer la nuit, mon dieu. Allez, you. L'œil arrive, très bien. Allez, allez, tu peux venir. Allez, 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 venez. Mais c'est pas possible. D'accord. Ah, ça y est, ils viennent. Ils viennent tous. Loul. Non. Putain. Ah, on aurait dû utiliser une potion, les gars. On aurait dû. On aurait dû. Et l'œil qui repart là-bas. Quel plaisir.
Allez, bien joué, Milou. Ok. Et là, du coup... Ah non, j'ai plus de popo bleu, putain. Bon, ben, on va faire ça. Immobilisation des membres. Ok. La question que je me pose, c'est où était la tour? La tour était là-bas? Ah oui, la tour était là-bas, oui. Pour revenir, putain, oui. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Merci beaucoup. Oui, merci encore, merci encore. Pas mal. Hein, bien sûr. Voilà, une petite vie en moins. Ça fait plaisir, voilà. La tour est là. On va aller choper la popo bleue. Restons calmes. Voilà, je saute en face, on se rappelle très bien de ça. Excellent. Voilà. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Popo bleu, merci beaucoup. Ok, parfait. Alors par contre, je suis obligé de revenir par là. Attends. Est-ce qu'on est condamné à revenir de ce côté-là? Ah, je réfléchis. Hein. Parce que là, je suis obligé d'utiliser encore une potion. Une portion d'issue de la potion. Mais peut-être qu'en revenant en bas... Ouais, non, non, mais laisse tomber. Non, tant pis. Tant pis, on va aller là et on va faire la popo bleue. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. À partir de là. Donc je dois aller en face, on est d'accord. La suite c'est ici. Oui. La suite c'est là. Mais qu'est-ce qu'il y a en face déjà? Ah oui, ah oui, j'aurais pu revenir là en fait. Ok. Attendez, est-ce que j'ai un intérêt à revenir? Réfléchissons. Ai-je un intérêt à revenir? Je crois pas. Je crois qu'il n'y a rien par là. Là, je reviens au tout début. Oui, donc ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Revenir là n'a clairement aucun intérêt. Ouais. Ok. Donc, la suite. Alors là, on s'en rappelle très bien. Il y a le détonateur en bas. Première chose à faire. Bingo. Je crois que c'est inutile d'aller en haut. À chaque fois, je me faisais la réflexion. Voilà. Parce que derrière, il y a une popo jaune. Donc, faut faire la popo jaune ici. À chaque fois, j'allais en hauteur, mais c'était une erreur. C'était l'erreur, les gars. L'erreur. Bien sûr. Alors. Faisons pas n'ample. J'ai failli faire tomber la popo. Ça aurait été l'erreur. Ah d'accord. Incompréhensible. Très bien. Perspective sur 20. Merci beaucoup pour cette mort. Merci beaucoup. Donc là-bas... Non, il faut bien que j'aille là. On est d'accord. Sinon, j'aurais pu utiliser l'item crédit. L'item crédit, mais au final,
On peut y aller par là aussi, que je me trompe pas. Oui, voilà. C'est ça, il y a deux chemins pour y arriver. Attention, ici, c'est pas si simple. Starling déconne encore pas mal, hein. On a 5% d'image drop. Mais bon, ça devrait aller sur un jeu comme ça. C'est bon. Ah oui, attention ici. Ok, ok, c'est bon, je me rappelle. On se rappelle de la position. C'est ici. Il faut pas y aller direct, sinon on va se faire avoir. Alors attends. Ok, parfait. Là, on a deux chemins. Qu'est-ce qui se passe par là? Non, là, on va revenir. Oui. Donc, c'est par là. Sauf que là, attention. Le bordel là. Il tombe à nos pieds. Et voilà, on revient ici. C'est ça. C'est ça. Et là, attention. On se fasse paniquer. Yes. C'est parfait. C'est parfait. On se rappelle de ça. Faut que je passe direct en fait. On est d'accord. Non. Je suis obligé de sauter. Si tu sautes pas, ça fonctionne pas du tout, d'accord. L'enfer sur terre. Raté. Ok. Et donc là, faut foutre le bordel sur le tapis. Comment, on sait pas trop. Voilà. Et on obtient le bordel. Et nous sommes, mine de rien, il nous manque plus qu'un seul élément. Hein. Bon, par contre, j'ai 3 vies. Et ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. À partir de maintenant, c'est là qu'il faut aller prendre tous les crédits possibles. Voilà, à commencer par celui-là. Ça en fera un. Donc là, ça nous fait un crédit. Il y a un autre crédit pas loin. Si je vais là, on s'en fout. Il y avait un crédit de l'autre côté. Il faut aussi aller le choper. Hein. Faut revenir sans mourir, les gars. Sans mourir. On n'aurait pas de risque. Ok. Merde. Ah oui, donc là, je n'ai pas le choix. On va utiliser la jaune. La jaune, tout à fait. Ça devrait passer. J'ai failli me faire avoir. Et là, faut revenir. Et là, je suis pas certain de pouvoir les avoir, donc... Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, pour être sûr... Ah, mais l'invisibilité, ça me fait chier de l'utiliser. Bon, tant pis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah, je pense que ça passait en fait. Ça devait passer, c'est bête, ça devait passer. Mais alors, où est la suite? Où est la suite? Ah, réfléchissons. La suite. Et non, c'est à partir de là qu'on est Keblo. Eh oui, c'est à partir de là qu'on est bloqué. En fait, j'aurais dû revenir, quel con! Fallait revenir. Oui, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, on s'était dit qu'il fallait que je chope les crédits, là. C'est ça. Donc en réalité, à partir de là, je devrais aller choper tous les crédits. Oui. Vous savez quoi? On va faire un petit tour. Un risque, hein. Mais je vais essayer d'aller choper les crédits parce que c'est clairement, c'est maintenant que ça va nous être utile. On va se choper tous les crédits avec, voilà, là par exemple. Très bien. Je devrais carrément revenir en bas en fait. Ce serait pas une mauvaise idée. Si je reviens en bas, il y avait un crédit. Merci Kratos pour les 37 mois d'ours. Normal que Starling bug, Elon a mis tous ses sesterces.
dans Twitter. C'est vrai qu'il a racheté Twitter, effectivement. Ah, il rachète tout, de toute façon. Peut-être qu'il va racheter YouTube, tiens, pourquoi pas. Dans quelques années, il va racheter YouTube. Il va racheter Google. Le mec va racheter Google. Laissez-moi réfléchir, les gars, c'est important. C'est important. Je suis en intense réflexion sur moi-même. Je pense que je vais revenir. Alors, évidemment, faut pas mourir. Mais on va essayer de faire quelque chose, là. Peut-être pas la bonne idée. Ouais, je sens que je fais le con. Je fais le con. Mais tant pis. Tant pis. Ça sent l'erreur. Putain, c'est pas vrai. Pourquoi? La perspective de ce jeu du démon. Oh les gars. Alors attends. Une fois que je suis là, je pourrais me laisser tomber ici. Il y a une potion en plus. Il y a une potion là, je sais plus ce que c'est, mais il y a une potion à ramasser. Ici, il y a une potion en plus. Alors malheureusement, bah, vous savez qu'on va y aller. Elle s'éteint en bas. Mais c'était quoi comme potion? Ah, les potions bleues! Ah! Ah ouais, donc pas mal. Et on repart ici. Alors, ce qu'il faudra à partir de là, c'est trouver le crédit. Donc, ok, là, on vient là. Il faudrait trouver le crédit. Ce serait parfait. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, cette histoire. Et ensuite, quand on aura fait ça, on pourra enfin revenir. Ok, je pense que c'est la pièce où il y avait la clé. C'est ça, NAS pour revenir. Essayons de trouver le crédit, les gars. Parfait. Excellent. Nickel. Bon, je crois qu'on est bon pour revenir alors. Et là, on est là, donc ça n'a aucun intérêt, cet endroit. Ok, on peut revenir. Enfin, si on y arrive. C'est encore autre chose, ça. Faut trouver l'endroit où il y avait la clé. Ok, c'est là. Alors, bon là, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour les passer. Ok, on est bon. On est pas mal, les gars. Je vous le dis, on est pas mal. Ah oui, on revient ici. Ce qui est pénible, c'est cet endroit à chaque fois. Ça te remet là forcément. Ah oui, je suis condamné à revenir comme ça. Ah oui, j'aurais pas dû revenir là comme ça. Ah oui, mais non. Ah oui, non, c'est ça, j'aurais pas dû revenir comme ça. Mais non, j'ai pas... Attendez, je réfléchis. Quand on est dans les souterrains... Il y a une sortie ou deux sorties? Il y a la sortie avec les trois espèces de d'ogres là, d'orques. C'est la seule sortie en fait. Je crois qu'on est obligé de passer par là. Oui, donc je vois mon erreur.
Je vois mon erreur. Bon. On va devoir se retaper cette phase. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. D'accord. Je crois que je vois mon erreur. Je crois. Parce qu'au final, on est juste venu ici pour... pour la potion. Bon, ce qui est utile, hein. Ce qui est utile. Mais ce qui me fait quand même prendre des risques, comme là. Heureusement, on y arrive. Ce qui nous fait prendre quelques risques. Après, je sais comment partir d'ici. Voilà. Ce qui me permet de choper le crédit qui est ici, c'est ce que je voulais aussi. Et on revient là. Ouais, donc on est pas mal, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Donc à partir de là... Ouais, donc là je reviens, c'est l'endroit où il y avait... Ah mais non, je suis obligé de repasser par là encore. Mais non. Mais j'ai pas le choix en réalité. Je me rends compte qu'on peut pas vraiment faire autrement. Ah si. Si. Si, 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 si. On peut faire autrement. Mais... ça demande de prendre un risque. Est-ce que je peux remonter au moins? Ouais. Ça demande de prendre un risque, je crois. Oh putain! Mais non! Mais non! Oh putain! Mais non! Une vie! C'est ça, ça demande de passer par là. Bon, on va essayer. Je le sens mal quand même. Je sens mal, les gars. Très 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 mal. Ça passe. Ok. Ce qui devrait me permettre de choper une vie ici. Et de revenir sans avoir utilisé de popo, mais vu que j'ai perdu une vie au final. Très bien. Ok. Par là. Du coup, je pourrais revenir par le haut. Est-ce qu'il y a un intérêt? Ouais, peut-être. Ouais, oui, voilà. Je reviens là. Bon, tout ça pour esquiver, en fait, un endroit où je dois utiliser une potion. Hein. Loul. On revient au tout début. Voilà. Voilà. Donc là, ok. On va revenir. La bonne nouvelle, c'est que on a. Bon, c'est dommage pour la potion rose là, mais bon, c'est ainsi. Donc, il faut encore passer cet endroit. On va utiliser ceci. Faut jouer là où il y avait le trou pour se laisser tomber dedans, hein. On est d'accord. J'aurais pas dû sauter. Hein. Le risque énorme que j'ai pris pour rien. Voilà, c'est ici. Je me laisse tomber. Ok, voilà. Et alors là, on va essayer de comprendre. Ok. Voilà, c'est trop chaud. Là, c'est trop chaud, je pense qu'on va se prendre un petit coup d'invincibilité. Ouais. C'est un petit peu chaud, cette salle, quand même.
voilà, je passe par là parce que c'était là qu'il y avait le crédit. Attention. Excellent. Le crédit est là. Et Gourmbe. Tu peux grimper, merci. Ok. Alors je, la salle là en bas, il y avait rien. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait déjà là? Ah oui, ça servait à quoi déjà? C'était une impa- je crois qu'il y avait une potion au bout. Mais qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Non, qu'est-ce qu'il y a déjà au bout de ce truc? On était pas, je me rappelle, c'était pas obligatoire d'aller là. Ok, alors là, il faut espérer qu'on va y arriver, hein, les gars. Il faut espérer y arriver, les gars. Il faut espérer. C'est bon. Ouais. Je vais passer par là. Ah oui, mais il y avait une potion jaune. Attendez, attendez, parce que là, c'est important. C'est pas là qu'il y a une potion. Ah merde, j'aurais dû y aller. J'aurais dû y aller. C'est là qu'il y a une potion jaune. Quel con. Quel con. Alors évidemment, je peux le choper là, mais ça va me demander de refaire ce que je viens de faire et c'est chiant. J'ai fait le con. En plus, potion jaune, j'en ai que deux. Mais c'est quand même une potion utile, mine de rien. Est-ce que ça vaut le coup d'aller la choper? Je pense que ça vaut le coup. Hein. Je vais la choper. Ouais, donc là, j'ai fait le con. Ah, donc c'est à ça que ça servait de venir là. D'accord. Après, c'est un peu stupide parce que du coup, je dois déjà... Enfin, non, j'aurais pas dû faire ça. Parce que déjà, je dois utiliser une potion ici, forcément... pour bloquer le deal de bordel, et en plus je prends un risque. Je prends le risque en plus de trépasser. Un gros risque en plus, hein, parce qu'il a l'air vraiment... Aïe, 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 ou alors je fais l'invincibilité. Ou alors je fais l'invincibilité, les gars. Ouais, je vais plus faire l'invincibilité, parce que là je le sens mal cette histoire. Allez, tant pis. Tant pis. Petite erreur là je pense, mais bon. J'aurais dû y aller comme quoi. Ok, allez, c'est bon, ça passe. Là, il n'y a aucune difficulté, faut pas sauter. Ok. Ok. Oh putain! Alors. Ne surtout pas tomber ici. Il n'y a rien pour m'aider. Rien pour nous aider. C'est bon. Donc là, c'est un... Ah putain, attention, un SVT obligatoire. Je pourrais les figer, mais en fait, je me rends compte que c'est pas obligatoire de les figer. Hein, parce que je dois juste sauter sur eux. En fait, arrêter le temps n'est pas nécessaire. Voilà, je fais n'importe quoi. Parfait.
Parfait. Très bien. Quel enfer. Mais quel enfer! Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors là, attention. Un petit peu la salle de la mort, ça, quand même. Hein. Donc. Ouais. Houhouhou ! Attention. C'est bon. Putain, et là il y a des trucs. C'était là qu'on était bloqué. Donc c'était ça. C'est l'une des trois clés. L'une des trois clés doit faire, comment dire, doit servir deux fois en fait. Ça doit être ça. Hein. L'une des trois clés doit servir deux fois. Parce qu'il y a forcément un truc qu'on a fait qui a trigger le fait d'avoir deux blocs dans cette salle, quoi. Parce que hier ces deux blocs n'étaient pas là. Voilà. Et ça, c'est quand même un petit peu fourbasse. Hein. Tu peux pas deviner, tu peux pas savoir ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est, tu vois, c'est une clé. Soit c'est une clé, tu sais pas. Peut-être c'est les trois clés, peut-être. Voilà. Peut-être ça se déverrouille quand tu as trois clés. Peut-être. Ou alors, peut-être c'est même pas ça. Peut-être c'est carrément autre chose qui trigger le fait... que des blocs pop dans cette salle. Mais ça, les gars, c'est quand même fourberie. Ça, c'est fourberie. Quoi qu'il en soit, c'est fourberie. Quelle que soit la méthode, la solution, la vache. Ils auraient dû mettre quelques textes, en fait, qui te donnent quelques indices. Parce que le fait d'avoir zéro texte, il n'y a aucun écrit. C'est vraiment... T'étais 100% livré à toi, mais quand tu as des trucs pareils, c'est fou, quoi. Bref. Donc, du coup, c'est parfait. On s'est débloqué. Merde, merde, non. Attention. Voilà, on est forcément sur le chemin du dernier morceau du sceptre. Il ne peut en être autrement. Je peux pas grimper là. Oui. Y aurait-il un bloc caché derrière ? Non. Bah alors. Si je vais là. On est coincé. Ah. On est coincé, d'accord. Il y a un téléporteur de l'autre côté. Ah, mais il y a un chemin d'en bas, là. Il y a un chemin en bas. Ah, c'est la clé. La clé va déverrouiller ce chemin. Ok. La clé va déverrouiller le chemin du bas. Ça doit être ça. Alors, comment je vais la choper, moi ? Il y a un truc à faire avec la bulle. Voilà, ça doit être ça. Ah ok, d'accord, ok. D'accord. On pousse la bulle, ça va pousser la clé. Quand elle revient, il faut la repousser.
Bon, je suis foiré, mais je pense que c'est ça. C'est ça. C'est ça, les gars, c'est ça. Faut faire du ping-pong avec la bulle. Pas mal. Pas mal, les gars. Pas mal, ok. Bon, ça c'est fait. Et il y a un chemin qui se débloque ici. Parfait. Tu me confirmes que là c'est toujours bloqué. Tu me confirmes que c'est toujours bloqué. Très bien. Alors. On a une potion jaune. Je m'en fous. Je suis full popo jaune là. Donc la sortie est en haut. Ouais. Bon, mais on va aller là. On s'en fout de la popo jaune là. On s'en fout. Ok. Alors, nous avons un téléporteur là. Bon, il y a les tapis roulants. Bon, c'est pas très clair. Ouh là là. Attention, on t'entra revenir direct là. Il y a un bloc rose qui tombe. À mon avis, il y a des éléments qui servent à que dalle ici. Je me demande s'il faut pas juste en fait pousser la bulle vers le haut, grimper dessus et on est bon quoi. Mais je sens que c'est compliqué là. La perspective te montre mal les objets. Donc clairement, ils veulent vraiment qu'on fasse ça. Pour qu'on puisse prendre le bloc. Donc on est d'accord. Là, c'est en hauteur. Toi, t'es en hauteur. Ah oui, il est en hauteur, lui. J'arrive pas à voir où il est, ce bloc-là. Le bloc vert, je vois pas où il est, en fait. C'est pas clair. Ah d'accord, ok. Ah oui, il est bien en hauteur. Le bloc vert est bien en hauteur. D'accord. On va se servir du... Ok. D'accord. Alors, attention. Je crois que j'ai pigé ce qu'ils veulent qu'on fasse. Hein. Je pense que j'ai pigé. Mais j'ai peur. Je pense que j'ai pigé, mais j'ai peur. J'ai sauté! Putain! Ça devait être ça. Ça devait être ça. J'ai sauté, il a glissé. C'est vraiment, mais tellement insupportable. Ok. Donc on a bien atterri derrière. On est bon. Il y a forcément des blocs cachés ici. Il n'y a pas de plateforme cachée ? Tu veux que j'arrive avec ça de l'autre côté ?
Comment ça? Je peux pas arriver là-bas? Merde. Qu'est-ce que c'est ce truc? Donc la sortie est bien en haut à gauche. Ils veulent que j'arrive à aller là-haut juste comme ça en sautant avec ce truc-là? Mais du coup, à quoi servent les autres blocs? À rien. Les autres blocs doivent servir à rien, loul, comme d'hab. Attendez, ça m'a pas l'air faisable. Ça ne m'a pas l'air faisable, là. Parce que même si je saute là... Si, ça doit être ça, faut sauter là, faire le truc. Putain, c'est super chaud. C'est super chaud. Bon, mais là, ça sent la mort. Ça sent la mort, les gars. Je crois que j'ai pigé, hein. Faut faire un coup, puis ensuite, tu ressautes en diagonale de l'autre côté. Ça doit être ça. Allez, allons-y. Pouh ! Ah, bah, c'était chaud. Ok. Ah, nickel. Excellent. Un petit crédit. Bon là, potion jaune, ce sera le mieux. Attention, bon moment. Je pense qu'on est pas mal. Putain, mais comment ça? Il était tout en haut. Putain, ok, pas de potion jaune. Qu'est-ce qu'on fait? L'invincibilité? On va faire ça. Mais sérieusement? Alors attention. À part prendre la plateforme bleue, puis tenter le gros saut en haut. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas faisable, c'est curieux. On va se faire niquer. On va se faire niquer là. Attends. Je vais me laisser tomber. Ok. Bon. Allons-y. Ah non, mais non, c'est beaucoup trop loin. Oh. Mais c'est beaucoup trop loin. Bon, on recommence là. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, hein. Si on dit que tout va bien, les gars, c'est que tout va bien. Bien se passer. Alors, attends. Ah, je comprends pas, là. Attendez, j'ai clairement... Je ne peux pas sauter de là-bas, c'était beaucoup trop loin. La boule. Ah, non, ou alors faut sauter sur la boule en étant invincible. Et ensuite sur le verre. Ça peut être ça, eh oui. Sauf que j'avais pas l'impression que quand t'es invincible, tu peux pas rester sur les boules piquantes. Tu les transperces, un truc du genre, c'était trop bizarre. Mais ça pourrait être une solution, ça. Je pense qu'en fait, la plateforme bleue, c'est un leurre, quoi. Faut pas l'utiliser du tout. Ça doit être ça. Ah oui, ça doit être ça. C'est la seule solution. On est d'accord. C'est la seule solution.
Parce que arrêter le temps, ça n'a aucune incidence. Donc, ouais, ok, je vais essayer ça. Je vais essayer de mettre sur la boule bleue, c'est sur la boule rouge là. Et ensuite sauter sur la plateforme verte. Voyons. Attention. Ok. Alors attention. Sauf que là je vois pas bien. À mon avis, elle est pas sur le même plan que l'autre. Elle est plus en hauteur par rapport à ce qu'on voit. Donc il va falloir que je fasse un gros saut, puis que j'aille à gauche. Ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Très, très, très chaud. Quoique, je suis pas certain, en fait, de... Je suis pas sûr de... J'arrive pas à voir si je suis sur le même plan. Je pense pas. Qu'est-ce que je fais? Soit je tente un saut direct vers le haut, ou alors je tente le saut vers le haut, puis je bifurque de l'autre côté. Mais j'ai un doute. J'arrive pas à voir au niveau de la perspective. Bon, tant pis, on va voir. Ok, je vois où je suis. Je vois où je suis. Je vois où je suis. En fait, j'étais pas mal. C'est faisable. Peut-être un tout petit peu bifurqué vers le bas quand je suis là-bas. Il a glissé ! Quel enfer! Comment ça? C'est abusé la difficulté, j'ai plus de potions les gars, je suis foutu. J'ai plus de potions. Allez, y a plus qu'à se suicider. Voilà. Ah ben c'est génial. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Splendide. Pardon. Il y avait une plateforme cachée, dis donc. Alors attends, du coup, tu peux utiliser le bleu. Putain, il doit y avoir deux solutions alors. Alors, il y a peut-être deux solutions, attention, on n'est pas encore mort. Si, on est mort, j'ai rien dit. Ben voilà. Bon. Alors, j'en reprends où du coup? On reprend là, c'est-à-dire... non, ça, on n'est pas très loin. Bon, il faut se refaire ça, mais bon. Il y avait une plateforme cachée. Ah. Et là, je dis A. Donc, est-ce qu'il y avait deux solutions? Ou est-ce que c'est un truc que je n'aurais pas compris? Tout est possible. Tout est possible. Allez, c'est bon, ça passe. Pas la peine d'aller en haut, c'est pour la potion jaune. Ok.
Oh putain, non, non, allez, vas-y. Pas mal. Pas bien. Tout va bien. Ouais, tant pis, on va revenir par là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Aïe 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 aïe. Donc ce serait par là. Par contre j'espère que... Est-ce que ça a gardé en mémoire? Ouais, ça a forcément gardé en mémoire. Oui. Ça a dû le garder en mémoire, donc on va utiliser ça. C'est dur les gars, c'est dur. L'enfer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça plutôt, hein? Ouais. On va garder l'autre. Ah, je suis quand je peux faire le jaune. Ouais, mais non, le jaune c'est chaud ici. Le jaune c'est chaud. Je n'ai pas obligé de passer par là, j'ai fait le con. Il va me tuer. Donc là, on pourrait choper la potion jaune, mais on s'en fout. Allez. Bon, là c'est vraiment vraiment dur quand même, ils ont un petit peu abusé. Hein. Un petit peu abusé là quand même. Hein. Allez, ça passe. Mais là, c'est horrible, ce passage-là. Vraiment, quoi. Putain, tu te manques, tu perds toutes tes vies. Hein. Tu te rates là, tu perds tout, quoi. Vraiment scandaleux, ce passage. Putain, non ! Putain, mais j'ai sauté ! J'en peux plus. Oh. On est à Pétaouchnok, les gars. Faut revenir de là. On va perdre toutes nos potions. Pour revenir. Non, mais c'est horrible, cet endroit, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Allez. Quel plaisir.
C'est dur, les gars. C'est dur. C'est dur. C'est le pire endroit en plus là pour tomber. C'est le pire. C'est le pire. Alors, bon, on n'a pas trop le choix, allons-y avec ça. Faut tous retorcher, quelle horreur, quelle horreur. Je réfléchis, là. Qu'est-ce qui est le mieux? On aura une potion jaune, on aura une potion jaune à utiliser, mais c'est tout. Là, la potion jaune est inutile, on n'a pas le choix. C'est reparti. Donc là, allons-y avec la potion jaune du coup. Là, on n'a pas le choix. Est-ce que la potion jaune pourra m'aider? Ouais. Allez, je tente de passer. Oh là là. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'aurais pas dû le faire là. Je tente ou je tente pas, à votre avis? Non, je vais mourir. Il vaut mieux repartir et refaire un coup de la potion jaune. Ouais. C'est pas grave. Mais non, putain! 6 ennemis à la con. Ah d'accord, ok, super. Génial. Génial, merci. Ah bah c'est génial les gars. Plus qu'une vie. Merci. Super, non? Je vais pas m'énerver, hein. Non, non. Tout va bien. Donc si je passe par là, c'est là qu'il y a la potion jaune. Le problème, c'est que si je passe là, je vais devoir utiliser encore une potion pour y arriver. Donc en fait, oui, on n'a pas le choix. Je vais devoir faire cette salle 2 fois. Tant pis. Allez, là ça passe. On va chercher la potion jaune parce qu'on en a plus du tout. On n'a pas le choix. Et
Et là, le problème... Bon, je pense que je peux m'autoriser. Après, j'hésite. Est-ce que je garderai pas l'invincibilité pour virer ça? Ouais, on va plutôt faire ça. Allez, ça passe. Allez, la salle de la mort. La salle de la mort, les gars. Youhou. J'ai une vie, je tombe, c'est pas la peine de remonter. Autant mourir et se prendre un autre crédit. Concentration. Concentration. Je sens qu'on va devoir tous retaper. Hein. Je sens qu'on va devoir tous retaper, les gars. Merci Techno pour le gros. On y va. Oh, ça passe. Ça passe. Allez. Invincibilité. Quel enfer, mon Dieu! Ok. Alors. Salle du démon une fois de plus. Passe. Ça passe. Pas mal. Non, pas mal. Merci. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Quel enfer. Vous avez vu ça? Tout est abominable. J'ai plus de vie. Hein. On a plus de vie, les gars. On a plus de vie. Autant dire que ça va être légèrement compromis. Ah oui, alors.
trop dur. Hein. Franchement, c'est abusé. Hein. C'est à la fin, là, les salles comme ça, c'est vraiment abusé quand même. Hein. Putain. Non mais... La fin c'est hallucinant. Allez, on se retrouve ici, c'est reparti. Avec 3 vies. Donc, si tu le dis. Dur les gars, dur. Ah ouais, j'ai toujours les 5 bâtons du sceptre. Mais parce que j'ai... Tous les checkpoints qu'il y a ici, je les ai pris à la fin. Donc... on n'a pas tout à se refaire, quoi. Mais bon, faut quand même se refaire tout le chemin, forcément. Vu que les checkpoints, tu les prends à des moments précis, à des moments donnés. D'accord, ok. Donc faut quand même se refaire... tout le chemin pour revenir. Mais... Les 5 morceaux, je les ai, forcément. Parce que j'utilisais tous les checkpoints vraiment à la fin. Ce qui, à mon avis, une bonne stratégie. Hein. Sauf que ça t'oblige quand même à tout refaire et ça, c'est un petit peu chiant. On va pas se le cacher, les gars. Bien sûr. On va y arriver, hein. On va le finir legit. Sans save state et en découverte, les gars. Ça va être beau. Mais ça va être aussi trop long et dur. N'empêche, je pensais déjà pas pouvoir arriver jusque-là. Hein. Je veux dire, pour moi, Solstice a toujours été un jeu infaisable, en fait. Voilà.
J'ai toujours considéré ce jeu comme étant l'un des jeunesses totalement infaisables. En réalité, tu te rends compte que c'est parfaitement faisable. Le jeu est vraiment faisable. Et je ne peux pas abandonner maintenant. Par contre... Oui, je vais aller choper la potion jaune maintenant. Ah oui, mais non, attention. Oui, parce que non, ce que je voulais... Ah oui, attends, oui, mais non. Le problème, c'est que... Compliqué. Merci Dayoum pour les 8 mois d'ours. Le saviez-vous? Solstice est le premier jeu non japonais. Ah, il est pas japonais Solstice? Développé pour Nintendo à avoir dépassé 500 000 ventes dans le monde. New fun fact, dans un mois. On l'attend avec impatience Dayoum. Ah c'est vrai? Attends, mais non, mais c'est intéressant, mine de rien. Si l'information est vraie, évidemment. Tu es sur le toit, Dayoum? C'est le premier jeu non japonais développé pour Nintendo à avoir dépassé 500 000 ventes. Ah ouais, gros succès, en fait, Solstice. Attention, hein. Gros succès, Solstice. Hein. Pas mal. Pour un jeu fait par trois personnes, c'est ça? Il y a trois personnes qui ont bossé là-dessus. Non, non, je vais pas finir Horizon. C'est pas du tout prévu, les gars. Je préfère jouer à Solstice. Loul. Donc oui, le problème qui va se poser ici, c'est que... Bon, allez, je tente. Je tente quand même, et j'ai l'impression que il est trop haut, même quand il est bas, pour qu'on puisse sauter au-dessus. J'ai quand même essayé, hein. Allez. Je tente, les gars, je tente. Ok, ça passe. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente? Non, autant faire ça. On voit qu'on est full ou même ça. C'est mieux. Voilà. Ok. Pas se faire niquer là, s'il vous plaît. Le passage de l'angoisse! On va perdre toutes nos vies ici, les gars. Allez, on se prépare. Putain, non! J'en peux plus de ce jeu! On remonte, les gars! Le plaisir! Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ce passage. C'est pas possible, ce passage. Non, mais les gars, c'est n'importe nawak, là. C'est... Allez, 10 minutes le retour, minimum. Non mais c'est fou quoi. Parce qu'en plus t'es au fin fond du donjon, tu vois, t'es pas à côté hein. Faut tout remonter, mais incroyable, c'est incroyable. Ah là c'est dur les gars. Ah c'est à la dure hein. C'est à la dure là, attention hein. Là je garantis c'est pas comme dans un jeu actuel où si tu te vautres, tu t'en fous évidemment, t'as un checkpoint, tu t'en fous. Là tu tombes au fin fond du donjon, et tu dois le retorcher entièrement.
C'est à la dure, les gars. C'est à la dure. Hein. Ah, pas mal. Il a glissé. Il a pas voulu sauter. Allez, je perds toutes les vies. Génial, les gars. Une vie. Youhou. Une vie, les gars. On fait tout ça pour une tentative. En fait, je me dis que je devrais presque... C'est même pas peine de continuer, là, en fait. C'est même pas la peine de continuer. Ah, d'accord. Ok, bon, autant mourir. On va regarder où est positionné notre autre crédit. Il nous en reste combien? 2. Or, celui-là est où? En fait, c'est encore mieux. Celui-là est mieux, en réalité. Celui-là est mieux positionné parce qu'on est plus proche de l'entrée. Tu vois? Donc, en réalité, avec celui-là, on aura plus de facilité à revenir où on était. Voilà. Là, on est pile poil à l'entrée. Ce sera un peu plus rapide, en réalité, vous allez voir. Voilà. En fait, on y est. Voilà, donc il vaut mieux faire ça, en fait. Vaut mieux faire ça, au moins comme ça, on a 3 vies, et on est plus proche. Très bien. Allons-y comme ça. Eh bien, dis donc, on s'en rappellera de ce solstice, les gars. Pas mal, hein, pas mal, merci. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Allez, une vie en moins. Tu veux, tu vas en bas. Alors, est-ce qu'on va choper la potion? Allons-y. On sait que ça passe. Allez, on y retourne. C'est pas possible. Je me demande s'il n'y a pas une façon plus facile pour y arriver. Hein. Je me demande vraiment, les gars, s'il n'y a pas une méthode plus simple. Hein. Parce que là... C'est pas possible, quoi. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Quelle horreur, quelle horreur.
Allez, c'est bon. On est passé. On est passé. On est passé. Je déteste ce passage-là aussi. C'est chiant. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. J'en peux plus. Je saute pourtant. Hein. Je saute. Hein. Une vie, les gars. Je prends pas de risque. Ah d'accord. Pas mal. Pas mal. Ce passage là aussi, mais c'est l'enfer là, c'est pas possible. Comment j'ai fait pour y arriver, quoi? Non, mais il y a trop d'endroits où c'est, en fait il y a trop d'endroits où ça devient presque du pixel perfect. Je me demande même si c'est pas vraiment du pixel perfect, vraiment. Je me demande si c'est pas vraiment du pixel perfect là, vraiment. Tellement que c'est dingue. Non. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Clairement. Les dernières salles du jeu, c'est de la folie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est... Vous avez vu ça? Ce qu'il faut faire pour y arriver? Non mais... Enfin... Mais enfin... Enfin... Non! Ne faites pas ça, les gars. Ok. Donc en réalité, il y avait un bloc caché. Il doit y avoir deux méthodes pour y arriver. Être invincible, aller sur la boule piquante et sauter sur la plateforme verte, ou faire apparaître le bloc, et du coup on doit pouvoir y arriver. Ici. Alors évidemment, faut pas que je me plante. Alors, là. Et là, il faut bien voir où il est. Loul. On voit qu'il est en bas, donc ça devrait être bon, mais à quel moment je dois sauter? Moi je dirais quand je suis ici, ça doit être ça, mais aucune certitude, c'est pas clair la perspective. Mais d'après le pilier de gauche, ça devrait être là.
après, là, je me dis, immobiliser tout le bordel, ça devrait être pas mal. Attends. Tac, tac, tac. Ça a l'air pas mal. Ok, parfait. Quel est l'objectif exactement ? C'est pas clair du tout. Ce n'est pas clair là. Alors attends, faut forcément se propulser, doit falloir se propulser là-bas en face et monter, ok, bon, ça peut être que ça, alors allons-y. Ok, mais là, est-ce que, ah oui d'accord. Putain, c'est mal foutu ça quand même là. Je crois que j'ai pigé. Hein. On va se propulser en haut avec la boule. Ce qui nous permettra ensuite de prendre le truc pour aller plus haut. Voilà, c'est ça. Mais alors là, comment je grimpe ? Mais il est où le truc ? T'arrives pas à voir. Hein. Il est devant moi, là, on est d'accord. Ok. Donc, est-ce que je peux... Bon, il faut que je pousse la boule là-bas, mais est-ce que je peux aller sur le rebord ? Merde. Ah oui, du coup. Ah oui, non. Et je devais aller avec. D'accord. Je devais me faire propulser avec la boule, évidemment. Et en plus, au bon moment. Il n'y a pas de bloc caché ici. Euh...
voyons. Putain, mais what? Le bourzin t'indique qu'il y a une sortie là. Alors qu'en fait, non. Bon, là, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me demande de faire. On va essayer de réfléchir. Bon, l'ennemi. Ou alors, peut-être. Ah, peut-être là, il y a un truc à faire. Ok, attends, j'ai une idée alors. J'ai une idée. Est-ce que... Et non, parce que même si là, il y a un truc caché, on s'en fout. On s'en fout. J'ai plus que deux doses en plus. Là, clairement, c'était ce qu'il fallait faire, c'est certain. Ça ne peut être que ça. C'est sûr, là, on monte. On arrive là. Ah, il y a un bloc qui tombe. Attendez, il y a un bloc qui tombe. Ok, ah, attendez, ok, le bloc jaune là. Alors le bloc jaune. Comment? Il y a un bloc jaune qui tombe, mais bon. Bon, je peux me rattraper ici, heureusement. C'est ça. C'est ça. Ok, c'est comme le truc. Et donc là, ce qui me permet de le prendre. Et donc là. Comment je vais aller en bas à gauche, là. Enfin en haut à gauche plutôt. Est-ce que juste en le poussant ça sera suffisant? Pas l'impression. Quoique, si. C'était ça. C'était ça. Putain, mais quel enfer. Ah non. Y'a rien. Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah c'est de l'autre côté, ah non, c'est là-bas. Et du coup, je suis foutu. Ah, faut s'en servir sur le machin rose. C'est ça, alors. Sauf que je suis foutu. C'est pas grave, on va recommencer. Merde. Ok, non, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai pigé. Je crois, hein, je crois. Je crois. Il faut l'utiliser sur le bloc rose. Mais putain, vas-y, j'étais dessus, là, oh. Faut rester calme. Mais enfin... Mais pourquoi? Comment je peux sauter? Ils sont sur la même ligne. Comment je peux sauter sur la même ligne et tomber quand je saute une fois en haut, enfin? Ils sont sur le même axe. Donc, comprends pas. Comprends pas, les gars. Comprends pas. Alors, attention. Ah, ok, d'accord. Donc, j'embarque le truc. Et je vais utiliser là. Je suis où? Mais je me vois pas. Allô? 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 Allô?
Le dernier morceau de sceptre est là. On est à deux pas de la victoire, les gars. On est à deux pas. Deux. Peut-être trois. Mais pourquoi je me vois pas? Je suis où? Je saute, il se passe rien. Allô? Allô? Je suis bloqué ou quoi? Mais alors? Mais les gars, il se passe rien. Mais c'est quoi ce délire là? Mais j'étais où? Je vais pas m'énerver. Hein. Je ne vais pas m'énerver. Tout va bien. Bon, on recommence. On recommence. Ça va bien se passer. Je vais essayer de me propulser plus en hauteur. Peut-être. Voilà. Peut-être se propulser plus en hauteur. Alors, peut-être, peut-être, peut-être. Je vais essayer. Putain, j'ai raté. J'ai raté. Ok, j'arrive maintenant à retomber pile poil dessus. C'est nickel. On n'aura pas tout refaire. Bien joué, Milou. Ok. Donc, on est bien d'accord que... Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de me propulser plus haut. Attends. C'est-à-dire que je vais... je vais sauter, faire le bloc et ressauter. Voilà. Mais comment ça se fait que je me vois pas du tout là? Bah, je comprends pas. Je suis coincé par le haut ou quoi? Comment c'est possible? Mais... Alors peut-être faut réussir à mettre la bulle aussi pour aller encore plus haut? Je comprends, il y a un truc que je ne comprends pas là. Quelque chose est étrange quand même. Ça se fait que je peux pas me voir en hauteur là. C'est quand même bizarre. On va refaire ce qu'on a fait. Parce que je me dis, j'ai essayé de sauter, mais j'ai pas essayé de le reprendre avec moi. Donc on va essayer autre chose. Est-ce que je peux? Ah, mais what? Putain, mais... Pff, c'est ton... Franchement, il y a quand même des trucs dans ce jeu. Ah, d'accord. Les gars, on y est. On y est! The Staff... Oh, ils ont pas traduit ça? C'est abusé. Eh oh! Terminus traduction! Vous aviez... Ou alors, je me suis trompé de ROM, peut-être, mais ça m'étonnerait. Eh, Terminus Trad. Vous avez peut-être 10 lignes à traduire dans le jeu, quoi. Il n'y avait que l'intro, ils n'ont pas traduit la fin? Non. Sérieusement. The Staff of Demnos has been restored. Il a été restauré, je vous traduis les gars. Now you have to find the princess. Comment ça? Ah, c'est pas terminé! C'est pas fini. Ah bon? Le bordel t'indique qu'il y a un passage par là quand même. Alors qu'en fait, pas du tout. Loul. Bon. On va se laisser tomber dans le trou. Pourquoi je suis invincible là? Je suis invincible les gars. Je suis invincible, tant mieux. Mais je vais me laisser tomber dans le trou, hein. Allons-y. Je me laisse tomber dans le trou.
Ah, la porte est ouverte. Shadax ! Putain, on l'a fini, les gars. On l'a fini ! C'était notre dernière vie, hein. Ils l'ont traduit, ça. Ils ont traduit la fin. Et ben voilà. Eh ben écoutez, très content. On a fini Solstice Legit. C'était la dernière vie, hein. On meurt là, fallait tous retaper. Visiter 221 salles. Oui, mais après, j'ai envie de dire qu'il y a des salles qu'on n'a pas visitées, mais on les a pas visitées parce qu'on savait qu'il n'y avait rien. Parce qu'on connaissait le jeu. Solstice produit par l'équipe Solstice. Merci. Merci pour l'information. Alors les gars, nous on a fait Solstice. Oui, alors ça a été produit par l'équipe Solstice. Hein. Faut le savoir. Hein. Faut le savoir les gars, attention. Ben voilà, il n'y a même pas de crédit, tiens, loul. Ouais, donc par contre, vous pourrez dire à Terminus Traduction qu'ils ont oublié de traduire quand on recompose le sceptre entièrement. Il y a une phrase, ils l'ont pas traduit. Hein. C'est pas du bien joué, ça, les gars. Bon. Ah bah écoutez, très très content, vraiment. Si on m'avait dit que je pouvais terminer Solstice, je l'aurais pas cru. Et en plus, sans aide, enfin, oui, sans aide. Franchement, est-ce que j'ai vraiment eu de l'aide? Je pense pas. Vraiment, est-ce que le chat m'a aiguillé? Peut-être une ou deux fois, et encore. Non, je crois vraiment, les gars, qu'on a fait tout seul. Hein. Je me sens le bien. Hein. Ouais. Je crois qu'on est bon. Ouais, non, très content, là. Et donc, du coup, non, le jeu est parfaitement faisable. Bon, par contre, sur la fin, il y a des sauts. Franchement, c'est de la satanerie. Il y a de les sauts, c'est vraiment de la satanerie. C'est abusé. C'est quasiment du pixel perfect, je pense. Et si tu meurs, évidemment, tu meurs. Et en plus, des fois, quand tu tombes, faut tout refaire. Donc, non, à la fin, c'est vraiment abusé. Il y a des sauts, c'est vraiment abusé. Mais à part ça, à part quelques sauts vraiment millimétrés sur la fin, qui sont un petit peu scandaleux, je trouve le jeu excellent. Je vous le dis, je trouve le jeu excellent. Très 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 bon. C'est une vraie prouesse en fait, je trouve, d'avoir réussi à faire ça sur la NES. Les mecs étaient trois. Je trouve ça génial. Voilà. Un donjon unique, 250 salles. C'est génial. C'est génial. Voilà. Ça manque peut-être un petit peu d'énigmes, un poil plus intéressant, parce que je pense qu'avec la 3D isométrique, il y avait moyen de faire des trucs des fois dans certaines salles un petit peu mieux que juste millimétrer les sauts. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que ça n'est jamais intéressant, en fait, d'avoir des sauts millimétrés dans un jeu. Quel que soit le jeu, ça n'est pas intéressant. S'ils avaient remplacé ça par des énigmes un peu plus intéressantes, le jeu n'en aurait été que mieux. Mais je l'ai vraiment trouvé bon. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi bon, d'ailleurs, hein, ce Solstice. Ah non, vraiment, pas mal. Hein. Peut-être même qui va apparaître dans mes 10 jeux préférés de la NES. Hein. Pas en première position, mais c'est un jeu qui pourrait être dans mes 10 jeux préférés de la NES. Hein. Ah ouais, il pourrait. Très bien. Très content, bien adoré. Et du coup, on finit les quelle heure? 19h10. Et cette partie va durer 2h11. Très bien. Putain, c'était la dernière vie, quoi. C'était notre dernière vie, j'en reviens pas. Hein. La vache. Épique. Et donc, il n'y a aucun véritable combat. Même à la fin, c'est pas vraiment un boss, quoi. Faut juste... faut récupérer les 6 morceaux du sceptre, rentrer dans une salle, et t'as la séquence de fin. T'as pas de boss.
Il n'y a aucun boss, il n'y a aucun véritable combat parce que tu peux tuer les ennemis avec des potions, les faire disparaître. Bon. Mais c'est pas si gênant que ça en réalité. Hein. C'est pas si gênant que ça. Bon, mais prochain jeu en 3D isométrique, certainement Equinox, les gars. Et là, pareil. Ça va être. Moi, je vais être extrêmement heureux de faire Equinox parce que tout comme Solstice. Mais c'est un jeu que j'ai jamais vraiment compris, quoi. C'est un jeu qui, pour moi, a toujours été obscur, incompréhensible. Et voilà, se dire que 30 ans après, tu vas enfin comprendre un jeu et le finir dans les règles. Je crois pas que moi, ça me procure en fait un plaisir, mais en fait, c'est un plaisir bien plus grand que de terminer un jeu récent, tu vois. C'est vraiment un plaisir différent, mais qui, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, en fait. Pour beaucoup, c'est rien, je pense. Hein. Mais je vous assure que là, je me dis, putain, j'ai fini Solstice. Et à la loyale, tu vois, normal, sans save state, en découverte et tout. On en a un petit peu chié, mais finalement, le jeu est compréhensible. C'est pas si dur que ça. Il y a le système des clés qui est un petit peu étrange. Ils auraient pas dû faire ça, parce qu'une clé, ça sert à ouvrir une porte. Or, dans ce jeu, c'est pas le cas. Une clé, c'est juste que ça fait apparaître quelque chose à un endroit du donjon. On te dit pas où, on te dit pas comment, ni pourquoi. Tu sais juste que quand tu prends une clé, ça va faire un changement dans une salle dans le donjon. Mais ça peut être une salle hyper loin. Hein. Ça, les gars, c'est clairement pas la meilleure idée du monde. Voilà. Mais à part ça, le reste a été plutôt bien conçu. Il y a juste ça et le coup des quelques sauts millimétrés qui sont un petit peu scandaleux. Le reste, le jeu a été putain bien conçu. Hein. La vache. Et je suis super heureux de l'avoir fini. On pourrait presque enchaîner sur un autre jeu, mais bon. Le problème, c'est que il va être 19h30. On pourrait enchaîner sur un autre jeu si vous avez des exemples de jeux qui se finissent très vite. Très 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 vite, tu vois. On pourrait éventuellement faire un autre jeu ce soir. Ou alors on s'arrête là. On peut aussi s'arrêter là et ce sera très bien. Fini Solstice. J'en reviens pas. Jamais j'aurais cru que je pourrais finir ce jeu. Mais jamais. C'est un jeu qui a la réputation d'être super hardcore et tout. Ça se fait. Ça se fait en réalité. Ça se fait, les gars. Ça se fait. Vraiment, ça se fait. Faut s'accrocher quand même sur la fin, surtout sur la fin. Sur la fin, faut s'accrocher, mais ça se fait, ça se fait, ça se fait. Bon, je vous lis un petit peu. On enchaîne avec Vanquish. Pourquoi tu veux qu'on fasse Vanquish ? Curieuse cette histoire. On peut s'arrêter, il y a Koh-Lanta. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Koh-Lanta, dis donc. Merde ! On va être obligé de s'arrêter, les gars, il y a Koh-Lanta, vous rendez compte ? Non, c'est pas vrai, je m'en fous. Faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bah évidemment, faut se remettre dans le contexte de l'époque, chrono. Pour un jeunesse, il est goldé. Ben ouais, moi je. Encore une fois, évidemment, je compare ce jeu avec les autres jeunesses que je connais, que j'ai pu faire. Et je me dis que, ben, par rapport à ce que j'ai connu, mais ce jeu est largement dans mon top 10. Mais vraiment, oui, il est dans mon top 10. Après, évidemment, il y a plein de jeunesses que je ne connais pas, que j'ai jamais fait, bien sûr. Mais par rapport à mon vécu, je mets ce jeu, oui, dans. Ouais, dans mon top 10, vraiment. Ah ouais, non, non. Parce que c'est pas seulement un bon concept, hein. C'est que globalement ça fonctionne. À part, comme je vous dis, quelques trucs un peu bizarroïdes comme les clés, tu vois.
Mais globalement, le concept fonctionne, quoi. Le coup des potions, en fait, c'est pas mal, hein. Faut réussir à te rappeler où sont les potions, de quelle couleur, pour y aller au bon moment, pour les régénérer au bon moment. Enfin, il y a quand même... Vraiment, c'est un jeu qui fait réfléchir. Faut de la mémoire pour se rappeler où sont les salles. Non, non, vraiment. Et surtout se rappeler où sont les salles qui ne servent à rien. Parce qu'en fait, t'as pas mal de salles inutiles, en fait, dans le bordel. T'as beaucoup de salles complètement useless qui ne servent à rien. Donc, faut s'en rappeler pour les prochains runs. Tu te dis, là, c'est pas la peine d'y aller. Je risque de perdre une vie, ça sert à rien. Je vais passer par là. Vraiment, c'est vachement cool, en fait. C'est vachement cool. Moi, je me suis amusé. Voilà, entre hier et aujourd'hui, je me suis amusé sur ce jeu. Alors, ça aurait pu être un calvaire. Ben non. Ça n'a pas été un calvaire, ça aurait pu, hein. Non. Le fait qu'il n'y ait pas de chargement, que le personnage soit rapide, tu vois. Il se traîne pas, il va pas à deux à l'heure. Le perso est rapide, il n'y a pas de chargement, c'est cool, quoi. Ça se fait bien. Ça aussi, c'est important. Bon, qu'est-ce que vous me proposez, du coup, là ? Gremlins 2. Alors, petite anecdote, j'avais Gremlins 2, j'ai toujours détesté ce jeu. Alors ça vient peut-être du fait que j'ai jamais trop aimé les films non plus, ou alors c'est l'inverse. C'est peut-être parce que je n'aimais pas Gremlins 2 le jeu, que je n'aimais pas les films non plus, tu vois. Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ça. Mais les gars, Gremlins 2, je n'ai jamais rien compris non plus. Mais comme la plupart des jeunesses que j'avais, hein. Gremlins 2, je n'ai jamais rien compris, voilà. Si c'est le jeu où on dirige Gizmo, qui a une espèce de bâton, ça doit être celui-là. Mais les gars, j'ai dû voir 10 salles, en fait, dans ce jeu, c'est tout. J'ai jamais compris comment on joue à Gremlins 2. Après, encore une fois, là, on parle d'une époque, voilà, j'avais 10 ans, tu vois, donc... Mais je n'ai jamais rien compris à Gremlins 2. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On comprend rien. Nul doute qu'aujourd'hui, je le comprendrai un poil mieux, évidemment. Évidemment. Ouais, donc du coup, on fait quoi? On s'arrête là ou on tente de faire un jeu qu'on peut finir assez vite? Mais vous me proposez n'importe quoi, les gars. Sonic 3, mais n'importe Nawak. Enfin... Un peu de dignité, s'il vous plaît. Un peu de dignité, là, enfin. Sonic 3. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi pas aller voir Sonic 2, le film, pendant qu'on y est, hein? La fin des visiteurs. Bah, le problème, c'est qu'il faudrait se retorcher tout le début des visiteurs aussi. Hein. Vu que là, on est sur le mini PC, la sauvegarde de la fois où on avait commencé les visiteurs PS1, elle est morte. Hein. Donc, je pense pas qu'on aura le temps. Encore une fois, les gars, le but, c'est de finir le jeu aujourd'hui. Donc, en quelques heures. Hein. En quoi? On va dire en 4, en 5 heures, si vous voulez. Voilà, en 5 heures. Quel jeu se finit en moins de 5 heures sûr à 100%? Vous me dites n'importe quoi sur le chat. C'est insupportable. C'est dur, les gars. Rigard. Ah oui, Rigard. Il paraît qu'il est bien, ce jeu, Rigard. Il paraît que c'est bien, ça. Metal Gear premier du nom. Ça m'étonnerait qu'il se finisse en 3 heures. Hein. Non, j'ai pas fait les Simpsons. J'ai fait aucun jeu Simpsons. Voilà, que ce soit Bart, tout ce que vous voulez, non. J'ai fait aucun jeu Simpson, moi. Bon, tout le monde me propose des jeux différents, les gars. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, là?
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, les gars, je vous le demande. Oui, oui, Resident Evil 3, oui. Bien sûr. Oui, MGS 2. Bien sûr. Rigard n'est pas finissable en version PAL. Ah. Curieuse histoire. C'est bien Rigard. C'est quoi déjà Rigard? Ça me dit quelque chose, hein. Rigard, c'est quoi? C'est pas une espèce de Conan? C'est pas une sorte de Conan le barbare sur NES, là? Attendez. Rigard, ça me dit quelque chose. Rigard, les gars. Rigard. Comment ça, PS2? C'est pas sur PS2, Rigard. Ah, il y a un Rigard PS2, tiens. Il y a un Rigard PS2, puisque voilà, Rigardness. Rigardness. Ça ressemble à quoi déjà? Ah oui, c'est ça, c'est un platformer, oui, on est bien d'accord. Rigard, c'est bien un platformer. Hein. Vous êtes sûr qu'il se finit en 2 heures? Moi, mais il n'est pas impossible à faire, votre Rigard, là? Qu'est-ce qu'il dit sur How Long To Beat, là, pour Rigard? Même si ça ne veut pas dire grand-chose, parce que généralement, c'est les gens qui savent déjà jouer au jeu. Donc, ça n'a pas trop de sens, évidemment. Alors, si on regarde là... Ah oui, il y a une version PS2, ouais. Alors, ils disent 2 heures main story, 3 heures main plus extra. Donc, ça veut dire qu'il faut bien 4 heures, 4 voire 5 heures. Il y a un Rigard PS2 aussi, disons. Bon. Écoutez, peut-être Rigard... Est-ce que vous me confirmez que Rigard, en 3-4 heures, je le plie? On rappelle que c'est une découverte, les gars. On connaît pas le jeu à l'avance. Loul. Alors, Rigard en 2 heures en version PAL compte le quadruple de temps pour le finir. Ah ben voilà, évidemment. Le concept de temporalité pour certains, c'est compliqué. Alors, Rigard ou pas Rigard? Mais du coup, pourquoi version PAL? Faut pas faire la version PAL? C'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les gars? Rigard, on en a plusieurs des Rigards. Merde. Rigard. Où qu'il est ce con de Rigard? Là. Ok, donc on a version PAL et version US. Ça ressemble à ça, Rigard. C'est un petit peu dégueulasse, dites donc. Vous êtes sûr que c'est bien, ça? Il combat avec une sorte de fouet. Un espèce de fouet, dis donc. Oh, la musique. Ah, il peut sauter sur les ennemis ou je rêve, là? Il a sauté sur les ennemis, l'animal. Putain, mais c'est quoi ces sauts? Ça me fait penser à Senseiya, quoi. Ça fait penser à Senseiya sur NES, ces conneries, là. Loul. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Je connais pas Rigard. Par contre, du coup, c'est quoi la différence entre version PAL et version NTSC, là? Bon, je pense qu'on va partir sur Rigard. Hein. Écoutez, partons sur Rigard, mais je vous fais confiance, les gars. Il faut qu'en 4-5 heures maximum, on le finisse. Est-ce que je peux vous faire confiance ou alors non? Ouais.
baisser le son. Est-ce qu'on peut vous faire confiance, les gars? C'est un piège, ne joue pas à rigard. Ah, c'est un piège? Merde. C'est un piège. Sans aide, 4-5 heures, c'est pas possible. Mais pourquoi on propose des jeux pas possibles? C'est insupportable! Alors on le fait pas! On va s'arrêter là, les gars. Tant pis. Tant pis. Ah, ça, les gars, ça, c'est de la bonne musique. Ça, c'est bon, ça. Bon les gars, personne n'arrive à se mettre d'accord, vous êtes chiants. Alors Rigard, on laisse tomber, si en 5 heures c'est pas possible. Oh là là, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, les Chippendales, c'est vrai que s'il paraît que c'est bien, mais j'avais joué à ça. Hein. J'avais joué à ça, alors attends. J'y avais joué. Je connais un petit peu à l'époque. Alors je l'avais pas ni rien, j'ai pas beaucoup joué. Mais effectivement, il paraît que le jeu est très 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 sympathique sur la NES. Est-ce qu'on va le trouver? Ah, c'est pas simple. Ah, Captain Skyhawk, ça les gars, il faudra le faire, il est où? Là. Ça les gars, faudra le faire. Il y avait un petit côté 3D isométrique aussi dans ce shoot. Celui-là, je l'avais pour le coup. Je sais pas si je l'ai fini. Je crois pas l'avoir fini, mais je devais être proche de la fin. Hein. Il est pas super dur. Mais vous savez, il y a du relief et tout. Il y a un petit côté 3D. Et j'aimais bien ce jeu. J'ai pas mal pensé Captain Skyhawk. Oui. Le relief était pas mal, en fait. Et puis t'avais des espèces de boss aussi à la fin des niveaux. Oui, donc, Chippendales, là, c'est où cette histoire, là? C'est où? Ah, c'est là. Oh là là, il y a 150 ROM. Oh là là, il y a 150 ROM, les gars. Attention là. Bon, ça c'est le 2. Ça c'est le 2. Ça c'est la version Jap. Ok, version Europe, plutôt NTSC, du coup, on est d'accord. Hein. Bon bah écoute, on va partir sur les Chippendales, loul. Tic et tic et tic et tac. Ça rappellera des souvenirs ça, tic et tac. Tic et tic et tic et tac. C'est un petit peu dégueulasse quand même vu comme ça. Hein. Je crains le pire les gars, je crains le pire. Bon allez, du coup ce qu'on va faire, on va faire une petite pause, je vais me faire un café. Disons qu'on reprend dans 10-15 minutes maxi. Et du coup on fera sans doute tic et tac, loul. Ouais. Il paraît que c'est un très bon jeu de la NES. Mais très bien, on verra bien. On se retrouve dans 10-15 minutes, à de suite.